Good morgen, Aleid, et juste aujourd'hui, le Nishmat, Claude Shlomo, Ben Shalom, Lucienne Batmeina. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sekhet Sota, Perikret, Mishnah, Hey. Veyasefu, Ashoterim, Ledaber, Laam, Veameru, Miha Isha, Yere, Verach, Alevav, Yelech, Veyashov, Leveto. Rabbi Akiva Omer, Ayare, Verach, Alevav, Ken, Mashmao, Sheno, Yachol, Laamot, Bekishrei, Amilchama, Venirot, Cherev, Shelufa. Rabbi Yossi Aglili Omer, Hayare Verach Alevav Zehu Hamityare Mina Averot Shebiyado Lefikach Taltalot Torah Kol Elu Sheyachzor Viglalan. Rabbi Yossi Omer, Almana Lekohen Gadol Gosh Avachalotza Lekohen Ediot Mamzer Tunitian Yisrael Bat Yisrael Mamzer Ol Natin Are Elu Hayare Verach Alevav. Et on commence à traduire la Mishnah. On a évoqué jusqu'à maintenant trois types de personnes qui devaient qu'on exemptait ou non de combat. Marier la femme, construire une maison, planter un verger, et qu'il n'a pas encore fini de les exploiter, d'en profiter, pendant la première année au moins. À présent, on va apprendre qu'il y a une quatrième sorte de personnes qui repartent. C'est ce que le pasouk continue en me disant Veyas fou ashoterim ledaber el ha'am. Et les policiers, ceux qui faisaient les déclarations, continueront à déclarer devant le peuple, et ils, ve'ameru, ils diront Mi ha'ish, quel est l'homme, ha'yare, qui craint et qui a le cœur trop sensible. Yelech veyashov leveto. S'il n'est pas apte à partir en guerre, avec un moral fort, avec une conviction qu'il va faire quelque chose d'important, on a besoin de lui pour faire la guerre, et qu'Hachem va l'accompagner, et qu'il doit être botar Hachem comme il faut, surtout lui qui ne revienne pas, parce que lui, il va démoraliser tout le monde, et si on n'est pas, on n'a pas un moral très fort, eh ben on perd. D'accord? Ça, c'est le principe général. Maintenant, qu'est-ce que ça implique quelqu'un qui craint? On va voir trois avis. Rabbi Akiva Omer, Ayare Verachalevav Kemashmao. Selon Rabbi Akiva, il va me dire, celui qui craint et qui a le cœur mou, Kemashmao, comme la signification simple du terme, dans le sens très physique et concret, psychologique, que She'eno Yachol Laamot Bekishra Melchama, qui ne réussit pas à se tenir Bekishra Melchama lorsqu'on est. Alors, je ne sais pas exactement, le partenariat explique que. Quand on fait la guerre, on s'unit, on est tous collés un à l'autre pour se protéger, comme ça on est en sorte de... D'accord, on est très proche. Il ne réussit pas à tenir dans cette ambiance, ça le stresse trop, ou bien ou bien il ne supporte pas voir une épée sortie, ça le terrorise, il est dispensé. Rabbi aussi Aguilil, maintenant, ça c'est Rabbi Akiva, donc il va interpréter le terme Ayer Verachalevav expressément. Et on va voir maintenant deux avis qui en ont parlé, on parle de quelqu'un qui a des peurs de Averot, avec deux niveaux de Averot. Rabbi Yossi Aglili va me dire, Ayare Verach Alevav Zoua Mitiare Mina Averot Shebiado. Rabbi Yossi va me dire, celui non qui craint et qui a le cœur sensible, pas à cause de Averot qui est en lui. Il n'est pas intègre, il a peur, il sait que c'est pas que sa manière de vivre n'est pas parfaite, et il a peur qu'Hachem va le punir. C'est à cause de ça qu'il craint. On va lui dire dans ce cas-là, alors tu sais quoi, t'as peur de tes Averot? Ne viens pas, t'as raison, peut-être que t'as réellement lieu de craindre. Et c'est le Fikar, et regardez ce qu'il va nous dire lui aussi, Aglili, le Fikar taltalot Torah et kol elo sharzor miglalan. Pire que ça, il va nous dire, tu sais, en fait, tout ce que je t'ai dit avant, pour l'homme qui vient de se marier, celui qui est en sa maison, celui qui a rencontré le berger, qu'on les appelait pour revenir, en réalité, la Torah, elle les aurait pas exemptés. Elle les a exemptés pour celui qui craint, à cause de sa avérote, que s'il veut revenir, qu'il n'ait pas honte. Comme ça, on les laisse facilement, il s'englobe avec tout le monde. On va plus tout le monde à leur dire de repartir, mais si on va partir, les gens vont dire, ah, il s'est marié, ou il a construit une maison, ou peu importe. Il a sûrement une bonne raison. Sans rentrer dans les détails, qu'en fait, il fait des petites agrotes. Des petites agrotes, ça veut dire même celui qui parle, la Gemara nous dit, même celui qui parle entre le tfilin shaliyad et le tfilin shalrosh. Vous savez qu'on fait une bracha, on fait la bracha des tfilin shaliyad, on acquitte aussi le tfilin shalrosh. Il faut les mettre un après l'autre sans s'interrompre entre les deux. Celui qui parle entre les deux, même ça, c'est une avéra suffisante que pour craindre que peut-être que. Shalom, Bisman Milchama, au moment de la guerre, on va être puni à cause de ça. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi Aglili. En réalité, je vous dis tout de suite, d'abord je dis, je traduis Rabbi Yossi, après on explique la différence entre les deux. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi. Attention, Rabbi Yossi, c'est pas Rabbi Yossi Aglili. Il y a Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Almana le Kohen Gadol, Grusha Bachalos le Kohen Idiot, Mamzeret ou Natin à Israël, Bat Israël, le Mamzer ou Natin, Are ou Ayare Verachalevav. Il nous dit, Rabbi Yossi, il nous dit non, t'as trop été général. Avec ta manière de parler en me disant toutes les avérotes, mais c'est spécifiquement, concrètement, je le dis tout de suite, c'est celui qui transgresse un interdit de la Torah. Toi, tu t'interdis même des interdits midérabanan. Celui qui parle entre tefilin, c'est une chumra midérabanan. C'est peut-être éventuellement déduit d'un pasouk, mais c'est pas une vraie mise de la Torah. Lui nous dit non, c'est que celui qui transgresse un interdit de la Torah,
comme le Kohen Gadol qui va se marier avec une femme, la Grosha Bracha Metsavé avec le Kohen Idiot, comme ce qu'on a déjà évoqué, l'âme divorcée avec le Kohen, ou la Mamzeret ou Nitian Israël, celui qui va se marier avec la bâtarde, la Mamzeret, et inversement, si Bat Israël est la Mamzeret d'un tir, ça, ça a des virus conséquentes où on transgresse un interdit de la Torah, et là, il y a lieu de craindre qu'effectivement, il va être puni en guerre, et s'il ne se sent pas, eh bien, qu'il ne vienne pas. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, Salam.